Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce numéro, on va découvrir une association assez étonnante qui s'appelle la Maison des Familles. Le concept vient du Québec et le principe est de permettre à des parents isolés de devenir acteurs de leur quotidien. Et vous verrez que les activités proposées par cette association sont quelquefois assez étonnantes. On regarde. Oh, coco boulot! Voilà, il était une fois dans mon village, il y avait les femmes qui aimaient aller au champ. Attention, prends ton temps, il y a trop de vitesse, vraiment prends ton temps. Il y a trop de... Ce matin, on apprend à raconter des contes. L'artiste Innocent Yapi est aux manettes et il est exigeant. Micheline est une élève appliquée. Avec Innocent, il faut qu'on adopte certaines postures pour pouvoir attirer l'attention des autres, pour pouvoir faire passer le message, pour pouvoir montrer qu'il y a, du suspense dans l'action. Donc, on fait avec pour que ça soit beau, quoi. Avec une pluie vraiment diluvienne, on va dire. Très bien. Et les femmes formées aujourd'hui sont bénéficiaires de la Maison des Familles à Mulhouse. Elle les accompagne dans leur rôle de parents. Hospitalité à la reine. Tout me plaît. La convivialité, la gentillesse, pas de jugement. On est toujours remonté dans notre estime. C'est ce que j'ai trouvé dans la Maison des Familles. Et j'ai trouvé ma place. L'atelier a été créé à la demande de ces mamans, souhaitant raconter des histoires à leurs enfants. Mais le travail va bien au-delà. À partir du moment où la personne, par exemple, il y en a qui ont raconté en arabe, dans leur langue, il y en a qui ont raconté ici en kurde, elle se rend compte que mais finalement, elles viennent avec quelque chose qui est important aussi, qui est intéressant, et qu'elles n'ont pas abandonné leur culture, que leur culture est valorisée. Ça met la personne en confiance. Et là, dans les relations avec l'extérieur, avec l'administration, avec les autres personnes, la personne est plus en confiance, elle est plus tranquillisée aussi, et elle peut trouver sa place finalement dans la société ou bien dans les rapports sociaux. Et là, ça fait que les rapports sociaux sont apaisés. Bonjour à tous, bienvenue à la Maison des Familles. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va, monsieur. Les Maisons des Familles sont nées au Québec. Elles sont aujourd'hui une vingtaine en France. Celle de Mulhouse a ouvert il y a 2 ans. Elle est animée par 2 salariés et une quinzaine de bénévoles. Ces équipes vont co-construire des actions qui permettent de dépasser des empêchements ou des difficultés ou d'accéder à des rêves, des souhaits, des envies des familles accueillies. La maison a été fondée et est gérée par Caritas Alsace et Apprenti d'Auteuil. Malgré ses racines chrétiennes, elle n'a pas de vocation spirituelle. Pour autant, elle accueille toutes les confessions. On parle de religion dans l'idée que plus on se parle de nos quotidiens, de nos croyances, de notre foi, plus aussi on peut contrevenir à des représentations qui peuvent parfois empêcher en fait, hein, le lien et de rencontrer l'autre. En fait. Donc en fait, oui, dans ce sens-là, la spiritualité, elle a une place à la Maison des Familles. Plus en termes de rencontre, de connaissance de l'autre et de respect du coup d'autrui, parce que mieux on se connaît, mieux on vit ensemble en réalité. Lucille est salariée ici depuis janvier. Elle a travaillé dans de nombreuses structures sociales, mais pour elle, cette maison est différente. C'est un lieu où on sait pourquoi on vient travailler le matin, enfin tous les matins. Hein. C'est un lieu magique hein, où il y a le développement du pouvoir d'agir des familles, on voit... C'est maman ou c'est papa aussi, enfin c'est super-héros des fois du quotidien, voilà, qui mettent en place des actions et qui ont des échanges, de l'entraide, du partage de connaissances, du partage d'expériences qui vont faire, qui vont s'élever tous ensemble. Et je trouve ça juste top comme moyen d'intervention sociale en fait au sein de ces différentes familles. Parmi ces héros du quotidien, il y a Micheline. C'est une maison qui m'a accueillie parce que nouvellement arrivée en France, je n'avais pas de repères, mes enfants et moi, on ne savait pas manger à table, on ne savait pas comment ça se passe, le goûter, comment se tenir. Elle est désormais membre active de l'association. J'ai profité d'adhérer au conseil d'administration pour pouvoir donner les points de vue de certaines mamans qui ne peuvent pas
qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, en fait, je suis leur porte-parole en tant que maman, parent de la maison de famille déjà, pour pouvoir véhiculer certaines situations qu'on vit ou alors que j'ai vécu moi-même. Ouais, pour après la naissance, moi, je voulais voir si c'était intéressé pour participer à ce projet. Oui, on ne pourra pas. Pour Xavery, la maison des familles est aussi un lieu de répit. Moi, particulièrement, je peux dire que je m'y retrouve dans un confort, dans un soutien et dans un bon accompagnement. Là, on a des restes de poireaux. Alors, on coupe un peu les fleurs. Quand ils sont suffisamment gros, ben, on les prend, on les arrache, on part avec. L'une des particularités de la maison des familles est que les actions sont initiées et menées par les parents. Ils ont émis l'idée de pouvoir eux-mêmes cultiver ces légumes pour pouvoir mieux s'alimenter. Et voilà, dans ce cadre-là, on a regardé ce qui existait autour de nous et on a noué ce partenariat avec les Jardins de la Garance qui ont pour vocation de rendre accessible l'agroécologie, en fait, le jardin à tous. Ouais, faut faire attention avec les fraises, hein. Elles aiment pas être mangées, en fait. Hein. Vous avez déjà entendu le cri de la fraise quand elle est mangée ? Même si les conditions climatiques compliquent le travail, la joie est là. C'est le jardin d'Eden. Ouais. Enfin, on ne s'inquiète pas vraiment pour la récolte, mais c'est déjà bien savoir. Par exemple, là, c'est quand il ne fait pas très chaud, voilà, les haricots ne vont pas vraiment bien pousser. Là-bas, il y avait des navets. Là où il y avait plus d'ombre, ils ont l'air d'être, de bien se porter plutôt que là où il y a plus de soleil. Donc tout ça, c'est enrichissant pour nous. C'est pour certains, pour ma part, c'est une toute première. Et voilà, c'est un savoir qu'on est en train d'acquérir. Ah, ça c'est une chose qui me fait plaisir de planter légumes, par exemple. Ça, c'est bien pour nous qu'on peut partager un peu les légumes qu'on plante. Et c'est une chose bien parce qu'on mange bio, c'est ça. Chez le coiffeur, à la poste. Est-ce que tu sais c'est quoi le coiffeur ? Être parent, c'est aussi accompagner ses enfants dans leur Qu'est-ce vie scolaire. Qu'il fait le coiffeur ? Pour cela, ils peuvent venir au centre socio-culturel Drouot toutes les semaines. Et là, le projet avec la Maison des Familles du mercredi matin, c'est vraiment en lien avec les parents. L'idée, c'est d'associer les parents pour les outiller aussi sur comment faire avec les enfants et puis être là aussi pour faire de la médiation avec l'école. Régulièrement, Pushpakanti vient avec les cahiers. Alors, c'est vrai que c'est, au niveau de la langue, c'est difficile. Et quand il y a des grands messages au niveau de l'école, où il y a des demandes, des choses à signer, etc., bah, du coup, Pushpakanti vient en discuter avec nous pour qu'on lui explique en fait ce que c'est, ce que ça veut dire, en quoi elle s'engage à signer, s'il faut préparer du matériel pour les enfants, des choses comme ça, quoi. On va garder le tien et puis on va travailler ensemble. L'art a aussi sa place à la Maison des Familles. Cette année, les parents ont souhaité réaliser une œuvre collective. Et ça sera un arbre à souhait. Voilà. Et donc l'idée de l'arbre à souhait, c'est de pouvoir le changer à chaque saison, d'accrocher des tissus avec des souhaits écrits dessus et donc suivant les saisons, bah, avec des couleurs différentes. Voilà. Ça permettra qu'il soit évolutif en fait. Et l'enthousiasme est au rendez-vous. Moi, je suis vraiment contente quand je fais quelque chose comme ça parce que j'ai perdu le temps. Moi, je suis tout concentrée à faire ça et ça me fait plaisir vraiment. Oui, maman. Ah, c'est vraiment bon. Ça me donne l'impression d'apporter du bonheur. Ça donne la sensation d'être utile, je veux dire, socialement et puis humainement aussi. Et puis que mon métier, ce n'est pas que seul dans l'atelier, mais c'est aussi en relation avec des gens. Alors montre-moi déjà. Bah, les photos. Elle ne veut pas s'ouvrir. Elle s'ouvre d'habitude. Tu arrives à la voir d'habitude ? Attends. Vas-y voir. Ici, on le sait encore plus qu'ailleurs. Un bon parent est un parent épanoui. C'est pourquoi des ateliers sont prévus spécialement pour eux, sans leurs enfants. Aujourd'hui, on se forme à l'informatique. Elle m'a donné un coup de main, comment rentrer sur le site de Plan Pelois, comment créer le mot de passe, comment faire de renseignements et tout. Ça fait bien pour moi, ça fait plaisir. Bon, on va repartir dans la corbeille, hein, parce qu'on est parti de là. Patrick, fraîchement retraité,
met ses connaissances à disposition. Ce qui compte, c'est que la personne s'y intéresse et qu'elle avance à petits pas. C'est sûr que les compétences ne sont pas les mêmes. On vient d'horizons différents, donc c'est sûr que ce n'est pas évident. Chaque année, de nouvelles familles viennent frapper à la porte de la maison, toujours avec de nouvelles questions pour devenir de meilleurs parents. Ce qui me réjouit, c'est justement ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Toutes les réponses, pour que ce soit de bonnes réponses, elles se construisent avec les personnes et avec la force de tas de personnes qui ont des compétences. Donc la croyance, la foi qu'on a aussi dans le fait qu'on va pouvoir relever tous les défis ensemble, ben ça donne de l'énergie, ça donne de l'énergie aussi à la directrice de l'association. L'année dernière, la maison a été une parenthèse dans le quotidien de 70 familles, soit 238 parents et enfants. Voilà pour cette association. On va continuer maintenant une série qu'on a commencée l'année dernière sur les chapelles remarquables d'Alsace. Aujourd'hui, on va découvrir la chapelle de la Thierhurst. C'est une très vieille chapelle qui aurait fait partie d'un village disparu. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, il se passe encore pas mal de choses. On regarde. Allez, on va y aller. En ce 8 septembre, c'est jour de fête à la chapelle Notre-Dame de la Thierhurst à Aiteren, un lieu de pèlerinage qui a toute une histoire. Cette chapelle, c'est une histoire à la fois, il y a deux versions, et on ne sait pas trop effectivement d'où c'est qu'elle arrive cette chapelle, mais une légende dit qu'effectivement il y a des bergers qui ont retrouvé une statue lors d'un orage, donc du coup ils savaient qu'il y avait ici quelque chose, un lieu de culte, et un village disparu également. Aux abords de la chapelle, une tombe attire l'attention du visiteur. Mais qui donc a eu l'honneur de reposer dans ce jardin? C'est la seule tombe effectivement sur le site, mais c'est le premier responsable gérant du site du pèlerinage qui existait. Donc c'était Eugène qui a habité très longtemps sur place. Il a géré le site en l'entretenant. C'est lui qui entretenait tout et qui recevait les pèlerins en leur servant un petit peu à boire. Quand j'étais petite, je me rappelle, il y avait des glaces ou des choses comme ça. Si la chapelle est dédiée à la Vierge, le pèlerinage est aussi en lien avec quelque chose de plus terre à terre. La fête des moissons, dans le temps, la moisson récoltait le blé, les pommes de terre, des légumes, des fruits. Et puis pour remercier Dieu, on faisait une messe en mettant en offrande des paniers garnis des fruits de la terre. Malheureusement, actuellement, ça se fait de moins en moins parce que les gens ont de moins en moins de jardins et ne font plus eux-mêmes leurs légumes. Donc on est contraint à acheter les légumes. Mais chaque année, on fait ce parterre de légumes avec des motifs différents. On vient donc à Notre-Dame de la Thierhurst pour prier et pour remercier. Mais on y vient également dans un autre but. Oui, c'est un lieu de rendez-vous. On se revoit une fois l'année là. C'est des gens qu'on revoit régulièrement. On s'invite pour venir ici, en fait, partager une journée. À l'issue de la messe, un rite particulier est très attendu par les pèlerins autour d'une croix décorée par des petits bouquets et bénie par le prêtre. En alsacien, des clés comme Fala. Ben, c'est un porte-bonheur confectionné. C'est à nouveau fait avec des épis de blé et des fleurs. Donc on emmène ça. C'est pas un gris-gris, hein. Mais c'est un petit porte-bonheur et on le met chez soi sur le buffet. Et ça, chaque fois qu'on le voit, on y pense. On pense à ce moment-là, passé en communauté. C'est dans cet esprit et pour faire durer la fête que les clés comme Fala s'arrachent comme des petits pains. Voilà, et on verra d'autres chapelles remarquables au fil de nos émissions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.